Bana mboka bana Congo, mbote. Je vous salue tous avec l'espoir que tout sera toujours ensemble. Malgré ma attaque, ma projet, le kuta, qui m'ouïe et ma rwandais, ma complice avant vous. Ces derniers temps, nous sommes témoins et nous assistons à une prolifération des associations. Et bien, quand l'association est les amis de Mandela, si côté comme les amis des syndicats de Colo, les amis de Moïse Katumbi, les amis de Félix, il doit y avoir aussi des amis de Kanambe et de Kamere. C'est comme si nous ne lisons pas l'histoire, nous n'apprenons rien de l'histoire et nous ne tirons rien dans l'histoire. Nous sommes allés peuple, mon côté, Oyo, nous allés exceptionnels, Oyo, nous allés sous attaque. Il y a des pays et des peuples qui ont été sous attaque. Net Bisso, tout ce que bien mon Malaming, le Japon a dominé la Grande Chine à l'époque. Les deux Corées étaient en guerre avant Penzaba Kabolamango, Namilié, les Vietnamiens, les Cambodgiens, etc. Les Français, Oyo, ils ont été en guerre, ils ont été envahis, ils ont été dominés. Ce peuple et ce pays-là n'ont pas créé des associations, des amis de ceci et cela, des mutualités pour soutenir un soi-disant leader, président ou ceci et cela. Il y a le Liban qui a toujours été en guerre. Il y a la Palestine qui est toujours sous occupation. Et l'Afrique du Sud avec son apartheid. Ces pays, ces peuples, pour me répéter, n'ont pas créé des associations ou de mutualités pour soutenir un tel machin, un tel président, un tel général. Ils ont créé par contre des milices, des groupes de véritables combattants armés pour se libérer. Regardez les Palestiniens vis-à-vis des Israéliens. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a les Hezbollah, vous connaissez. Il y a les groupes, il y a Fait Arafat, Yasser Arafat, et beaucoup d'autres groupes ont se créé pour se libérer. Ils n'ont pas créé des associations, des amis de terre, ils n'ont pas créé des groupes religieux. Ils ont créé des milices de combattants pour libérer le pays et se libérer du joug de la domination d'un certain peuple, d'une certaine armée. C'est la logique, c'est l'unique logique de libération. Eh bien, pourquoi le Congolais crée des associations ou de mutualité de nommer derrière quelqu'un? C'est dans le sens du Congolais d'être flatteur. C'est parce que nous sommes des flatteurs. Nous voulons flatter Batinda Bisombongo, soi-disant toujours ça la défense de tel ou de tel. Nous voulons, nous créons des associations pour voler un peu un certain végétariat auprès des femmes ou auprès des hommes. En fait, ces associations, ce sont des groupes de prostituées, de fumeurs de chanvre, de buveurs d'alcool, mais surtout, les labels, c'est la flatterie. Là, les Congolais ont créé quand les amis demandaient la coupe de Mbongo. Ils n'ont jamais même pas une lettre de son bureau. Vous créez des associations derrière quelqu'un, pourquoi? Les amis de tel, les amis de Moïse Katumbi, les amis de Félix, pour faire quoi? La logique, c'est celle que nous, les Maïmaï, nous, les Kivusiens, nous avons adoptée. C'est la lutte armée. Pas de club de gens cravatés, pas de club
des gens au batelissi et longi avec des produits nocifs et toxiques. Ce n'est pas ça qui libère le pays. C'est la lutte armée. Copier ce que les Maïmaï font. Et vous avez déjà de preuves. Nambo Kanabiso, comment est-ce que Bazoko défaire par ennemi? C'est ça ce qu'il faut faire. Que les Kassaïens créent des groupes de milices chez eux, au Kassaï, pour combattre les Rwandais et d'autres Congolais occupants et complices. Que les Kassaïens créent des milices pour détonner des bombes à Kinshasa dans les maisons des ministres et des complices au Bazali, Kubuma, Kassaïens, Bazoko Bumba Congolais, Bazoko trahir la République. Que les Bakongo fassent autant. Que les Katangais fassent autant dans toutes les provinces. Nao Zaïre, que les gens fassent la même chose. Pas aller créer des clubs, des associations de tel et de tel pour chercher à siphonner l'argent. C'est de la flatterie, c'est de la bassesse. Ça prouve combien la tête des gens est allée misérable. Il n'y a rien dans le cerveau que le plaisir. C'est votre compatriote, Jomadari Vibeke Kilele. Félix, tala lokoyo, oza zelo. Tala lokoyo, oza ma brique ba déposé à vous. Tozali mingi, koleka zelo wana, biso ba Congolais. Tozali mingi, koleka ba brique oyo. Le Congo ne peut pas se limiter seulement à nombre de tribus moko ya baluba. C'est pas ça. Nous sommes plus nombreux que du sable sur la plage. Nous sommes plus nombreux que les cailloux na kata carrière. Nous sommes plus nombreux que les briques na kata carrière. Ça ne peut pas avoir une restriction tribale. Il faut boyeba bino ba congolais bis ba congolais que les Congo ils allaient sous l'emprise des Illuminati. Ils allaient sous l'emprise des loges maçonniques. Ce sont les mêmes loges qui ont fait souffrir les Français à l'époque, avant 1789, avant la révolution à Bango. Ce sont les mêmes loges qui ont fait souffrir la Russie avant que les bolcheviques, guidés par les communistes, Lénine, les Trotsky, va changer ma chose. Ce sont les mêmes loges qui se sont emparées de l'Amérique. Mais c'est surtout la France, c'est surtout la Russie qui ont souffert dans la loge maçonnique. Moi, je te parle en tant qu'un initié des loges de notre tribu. Nganaza Mwame. Koko Nangazaki Mwame. Papa Nangazaki Mwame. Je suis initié dans la culture de chez nous. Je connais ce que c'est, ce qui se passe au Congo. Yomo to koti na ba loge, yaba mindele, tu es un perdant. Et ceux qui t'entourent sont des perdants. Ne nous envoyez pas de pasteurs, baya, baya kuluba, awa. Comment tes pasteurs n'ont rien à faire? Baya ba telisi elongi, elambami, neti. Banane mur, bazokoya kolobane. Pourquoi va passer non, bazoke n'existe. Ils viennent faire quoi? Quel message ils ont à donner aux Congolais? Nous en avons marre des pasteurs et des gens appartenant aux loges maçonniques des blancs. Ce sont des loges de sorcellerie et de lesbianisme et des homosexualités. Et ça, bah loge n'est pas bisouté. Bah loge n'est pas bisouté. C'est qui banan? Loge à spiritualité. Nous les Africains. Et ça n'est pas na bino baluba. Et ça n'est pas ne pas tribu nyonso na Congo. Alors toi tu dois cesser de nous envoyer des pasteurs. Ce n'est pas ça qui va imprégner notre conscience. Nous avons besoin de la prise de conscience et biso nyonso pour libérer le Congo. Et ne crois pas que en t'entourant avec une centaine de conseillers inutiles, ça va libérer le Congo. C'est un gros budget que tu vas utiliser. Ne sois pas budgétivore pendant que nous avons des priorités. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais la grande priorité d'abord, c'est la défense du pays. Ce n'est pas ce que tu fais.
Félix, écarte-toi de la ligne et de la loge tribale. Le Congo n'a pas besoin des associations, je le répète. Et pour ton amour, et l'amour du Congo et de tout le monde, c'est ton compatriote, Jomadar Vibikil Kilele. C'est pour le Congo de Lumumba et de nous tous. Tous ont commencé au Koba. Mana Congo. Ma association Mingezoko s'est créée. Asofachi. FMI. Regardez-moi, Yasukaona. FMI. Félix, mon idole. Et quelqu'un qui crée une histoire comme ça, il se croit qu'il a trouvé quelque chose. C'est un inventeur, c'est un savant. Savant de la flatterie. Tala, il faut tika ba flatterie. Il faut tika le kuta. Il faut tika ce que nous avons l'habitude d'appeler frappe. Et puis, on les a un message dans un côté de là, tu sais qu'il dit, pour Félix, comme vous l'appelez. Monsieur Félix Kondima Makambowana Bazo Kosali Layote. Oh, à Sophie, oh, FMI, ce sont des flatteurs. Ce n'est pas ça qui va libérer le pays. Le pays se libère par les armes. Le pays se libère par des idées d'un groupe de gens qui prend conscience de l'état du pays. Pas de flatteurs, pas de frappeurs, entre guillemets. Nous devons faire une ascension mentale. Nous sommes en guerre, nous sommes sous occupation. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas des associations de danseurs, des associations de zango, des associations de gens qui vont montrer des cravates, des gens qui vont montrer combien ils sont beaux. Ce n'est pas ça. Nakati Abitumba, soldat Azakamakak, Mobundi ou Mobondeli, Azakamakak, Azakamokomboso, Azakamotorati veste, Nettingate, Azakamotorati, oh, Alati Bilambat, Azakamoto, oh, Azana Munduki, Azana Likonga, Azana Mbeli. Boti qui a recréé une association tribale, enfin tribale, excusez-moi, des associations tribales et des associations de soutien avec tendance d'escroquerie. Le Congo n'a pas besoin des associations de ce genre. Le Congo a besoin de la lutte armée, comme nous, les Maïmaï, nous le faisons. Maïmaï Mutomboki. Beaucoup de groupes à Maïmaï. Inspirez-vous de ça. Et je demande à Félix Tshilombo de se démarquer de ce frère Balouba qui le trompe. Tu n'appartiens pas seulement au Balouba. Si tu es né au Congo, bien que tu es en Angola, tu es Congolais, monsieur Félix Tshisekedi. Tu dois accepter les conseils. Yabato Oyo, Bazoko Flate Yote. Nous avons raté le leadership. Natanga Mobutu, à cause de Biloka Association, Bangbande, Yabato Oyo, Bantureye, qui lui murate un certain pouvoir. Pendant 33 ans, 32 ans, on a raté le développement du Congo à cause de Biloko Yaboui, Yab Association, Yab Miyibi, Yab Flatteur. Nous n'en avons pas besoin. Tu as besoin d'un think tank. Ça signifie d'un club de penseurs qui pense économie, qui pense défense, qui pense militaire, qui pense éducation, qui pense santé, qui pense pas des gens qui ont été des plongeurs dans des restaurants, des gens qui ont été des jardiniers, des gens qui ont fait le gardiennage, qui n'ont rien, et qui viennent auprès de toi parce qu'ils sont de ta tribu. Ceux de la fratrie, ça ne protège pas la République. Ça n'a pas l'essence du développement, ni l'essence de la politique.
ba Congolais botika totika makambo tuzo sala ya kimuyibi ba association ceci et cela za kimuyibi c'est de la frappe, ça va nous amener nulle part. Le Congo a besoin de penseurs comme à l'époque de la France lors de la Révolution française. Ce sont les écrivains qui ont inspiré la population. Ce sont les écrivains, ce sont les penseurs, ce sont les philosophes. Ce n'est pas un groupe de jouisseurs, des alcooliques, ce n'est pas un groupe de gens qui veulent profiter de la situation ou de l'opportunité. Ce n'est pas les opportunistes, ce sont des patriotes. Et non pas des phallocrates qui pensent que non. Côté de la bango mongo, balali basi, basi pe balali bango na mibali, parce que bilamba, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Monsieur Félix Tshilombo, démarque-toi de tes soi-disant frères. Ils sont nombreux partout, parsemés à travers le monde, dans les églises, dans tout, il n'y a que vous le Baluba. Nous voulons qu'il y ait des singletons dans les Baluba qui résonnent mieux et qui soient patriotes. Et il y en a. Il y en a. Nous en connaissons. Nous les côtoyons. Pas de terre à terre. Pas de la bouillabaisse. Pas de gens qui ne voient que le plaisir immédiat. Bonjour, qu'on crée une association, il y a que ça la ligne. Prenez des armes. Balouba, ba Rwandais, ba Bomi Bino. Naba Congolais Moussousou, ba Boshab. Baba Dibanga, qui sont des frappeurs et des voleurs. Ba Sirisi, ba Kassayen Boy. Pia! Ba Moussousou, au bazar la chance, ba Kenangola. Vous, les Kassayen, vous devez avoir une prise de conscience. Pour te libérer Kassai Nabisso. Les alli Kassai Nabisso. Nganaza Kassai. Nganaza Moulega. Et en tant que Moulega, nous sommes les combattants patriotes. Nous, chez nous, au Kivu. Bon, imiter Bisso. Makambo ya kosala ba association ya Lukuta, ya qui frappe Zate. Bolekisi Ndelo. Qui frappe Bino. Ba faux pasteur Bino. Flatteur Bino, ma complice Bino. Corrompu. Le corrompu, c'est vous. Le corrupteur, c'est vous. Ceux qui introduisent les Rwandais chez nous, au Bazo Koya, pour adopter comme on a Bino, c'est toujours vous. Mais utilisez quand même, conjuguez un verbe religieux. Vous devez vous repentir nationalement, publiquement, patriotiquement, et reconnaître que Bazo Kosala m'a bé. C'est votre compatriote, Djemadar Vibikil Kilele, pour le Congo de Lubumba.